la Voye. Donc ça veut dire au pied de la voie, en fait. Hein. On va découvrir, parce que leur site est joli. Ils ont une page Facebook, une page Instagram. Donc on va aller voir là-dedans. Ils font un peu de tout, épicerie, brocante. Mais pas que, hein. Alors voilà l'intérieur au pied de la Voye. Hein. C'est un endroit bien sympathique, avec des gens extraordinaires. Donc alors, Christophe et Séverine, donc ben voilà, on est originaire de la vallée, donc Christophe de la vallée de la Meuse et moi de la vallée de la Semois. Quand la Meuse et la Semois se rencontrent. Voilà, c'est ça, ça fait, voilà. Alors, on habite ici à Nohant depuis 20 ans. Et on est propriétaire de gîtes depuis 11 ans et on aime ça, enfin, le contact avec les gens, l'accueil des gens. Donc on avait toujours le projet, on avait dans notre tête un projet, mais d'ouvrir peut-être une auberge. Au début, c'était ça, on pensait. Ouais. Au début, c'était une auberge qui était prévue. En fait, on a racheté, on a deux gîtes dans le village. Donc on a deux gîtes dans le village. Ouais. Donc c'est Nohant ici, Nohant sur ce mois. Nohant sur ce mois qui fait passer un mot de Tillet, en fait. C'est une grosse bâtisse, et au début qu'on l'a acheté, on ne savait pas ce qu'on allait faire dedans. Et on avait réfléchi à une auberge. Le problème de l'auberge, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et à l'époque, on ne voulait pas, avec nos enfants et tout, on ne pensait pas avoir le temps vraiment de s'occuper de ça. Donc donc on a laissé tomber. Ouais. On a fait des gîtes. Mmh. Et puis, des gîtes qui sont sur Nohant aussi, non? Oui. D'accord. Ils sont sur Nohant, ouais, mais on reste sur Nohant. On reste sur Nohant et un des deux gîtes, c'est une ancienne forge qu'on a. D'accord. Ça a refait, donc en gîte, c'est un petit gîte de 4 personnes. Alors ici, au pied de la Voye, qu'est-ce que vous faites de beau? Épicerie, j'ai vu, brocante, mais pas que. J'aime le terme, mais pas que. Mais pas que, c'est très important. Ah, c'est très important, parce que moi, je mets toujours 3 points de suspension, 1 point d'exclamation. Ça veut dire, en fait, vous terminez vous-même, parce que c'est pas que ça. Ouais. Non, non. En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On a voulu créer un lieu pour que les gens viennent, partagent. On a toujours l'esprit, Séverine a des origines belges, les cafés en Belgique où c'est des cafés familiaux, où les gens viennent le week-end ou le soir en famille. Avec un endroit de partage, d'échange. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un endroit familial où on passe du temps. Voilà. On ne vient pas seulement pour boire un coup, mais on passe du temps. En famille, où on découvre des autres gens, plein d'autres choses. Oui, il faut vraiment qu'on se sente bien. Alors, c'est le cas ici. Et finalement, quand on est bien, on a envie d'y revenir. C'est le but, je pense, de votre création, de votre bébé, voilà, au pied de la Voye. Et aussi, on a des goûts des fois particuliers. Enfin, voilà, on a nos propres goûts. On voulait faire partager toutes nos découvertes aux gens, aux clients. Donc, que ce soit de la bière, du vin, du fromage, de la charcuterie, enfin voilà, tous les produits que nous on aime, on voulait les faire partager. Et on aime bien, à chaque fois qu'on va en vacances, c'est aller vraiment chez le producteur. Enfin nous c'est... Ouais. On va chez le producteur, on essaie de trouver le petit producteur, de trouver ses produits. Et on s'est dit, mais pourquoi ça? Pourquoi pas les ramener chez nous? C'est ça. Voilà, c'était ça. Parce que je vois, il y a un peu toutes les régions là, il y a du Calvados. De Normandie, il y a du nougat de Bretagne, il y a le choix pour tout le monde, oui. N'hésitez pas, venez les voir. Parce qu'on n'est pas un magasin où on vend que du produit local, c'est soit local, soit bio, soit artisanal, enfin voilà. S'il y a les trois réunis, c'est encore mieux, voilà, on tient aussi à ça. On tient à faire du local parce que on essaie de faire vivre les gens... Du coin. Du coin. Ouais. Mais on veut aussi faire découvrir. Le monde dans le coin, il n'y a pas tout. Et voilà. Et après, c'est ce qu'on parlait hier, qu'on était chercher la mimolette, c'est dans le nord, mais c'est à la limite de l'Aisne. Mm-hmm. C'est une centaine de kilomètres. Donc le local, pour nous, c'est encore une centaine de kilomètres. Je pense qu'on est encore local. Enfin, dans notre monde maintenant, je pense que 100 kilomètres, c'est encore du local. Oui, oui. Voilà. Donc on n'est pas que produit ardennais, on est produit ardennais, c'est un peu tout ce qu'on rencontre. Mais c'est bien le local, parce que c'est vrai qu'il faut penser au bilan carbone, plus on se déplace, pire c'est. Donc là, comme vous dites, c'est un rayon respectable, 100 km, on reste quand même dans cet état d'esprit-là. Et sachant qu'après,
c'est nous qui allons chercher. Et on ne va pas uniquement pour un producteur. Donc hier, on a été faire notre tour, on a fait 5 producteurs. En fait. Voilà, on prend un petit peu, mais on fait... Et à chaque fois, c'est un producteur qui nous parle d'un autre. Donc on a été chez un producteur de... Chèvre-brebis. Ouais. Et on lui a parlé qu'on cherchait un autre produit. J'ai dit, ah ben moi, je connais quelqu'un qui fait de la mimolette. Donc c'est pas très loin. Donc voilà, il est bio comme moi. Alors c'est rare, ça, la mimolette par ici, parce que... Mais en fait, la mimolette, dans le monde, ça se fait quand même... Enfin, on a découvert aussi, parce que pour nous, la mimolette, c'était hollandais. Ben voilà. Oui. Mais il y a pas mal de mimolettes qui est faite dans le Nord. Bon, ben, de toute façon, je suis venu pour ça, en même temps. Donc, voilà. Et puis, voilà. C'est vrai qu'hier, enfin, voilà, la rencontre avec ces deux personnes, là, vraiment, ça nous a remis un petit coup au moral. Ça vous a boosté, hein. C'est ça, parce que là, on avait un petit coup de mou. Et puis, ça nous a voilà. Non, mais on va rester positif, ça va aller. Oui, ah bon. Mais après, c'est bien aussi de voir comment il travaille. On est là, on vous soutient, et puis... Voilà. Et après, voilà. Ben, je rebondis aussi sur le casse-croûte, mais pas que, pourquoi aussi on est en brocante. Parce que, ben voilà, au départ, on pensait qu'on allait meubler ici le commerce avec des choses chinées. Et puis, on a chiné. Et puis, on en avait beaucoup. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit esprit brocante et voilà, c'est pour ça. Mais ça, c'est sympa. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ben, au niveau de la restauration, c'est fermé. Donc, les gens prennent à emporter, non? J'ai vu que vous avez fait des assiettes de charcuterie, fromage pour la fin de l'année. Voilà, c'est, ben, c'est pas mal, ça, comme idée, mais... Il est vrai que c'est plus convivial de pouvoir s'installer ici, de chiner sur la brocante, de voir l'épicerie et de manger un petit bout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment notre but. Et après, c'est ce qui, moi, m'embête, c'est de faire de l'emporter ou même faire l'épicerie que d'épicerie, ça m'embête. C'est embêtant parce que ça casse. Voilà, et nous, c'est tout un... On a vraiment tout un concept. Et ce qu'on veut, c'est que les gens, ils viennent, on leur fasse goûter les produits à table. Ils aiment bien la charcuterie, ils repartent, ils disent ben, on va reprendre quelques tranches de jambon, on leur fait découvrir un nougat. Mmh. Ah, ben là, voilà, c'est vraiment un ensemble. Et pareil, ils arrivent, ils aiment bien les canapés, on est bien. Mmh. Et voilà, c'est vrai, je confirme. Non, mais, voilà, c'est vraiment un ensemble. Et là, faire que de l'emporter, ben, on perd vraiment ça. Et ouais, complètement. On discutait parce que là, on n'a pas beaucoup de clients. On n'a pas beaucoup de clients, mais les clients restent très longtemps. On reste au moins une vingtaine de minutes. Donc on parle beaucoup. Et moi, ce qui m'embête, là, le click and collect, c'est qu'on n'a plus l'échange comme ça. Donner les gens partent. On a cassé le lien social, en fait. Hein. Voilà, et nous, on a fait ça justement pour en avoir. Parce que, donc le Maypacker, on peut continuer. On a ce qu'on appelle notre annexe. Mm-hmm. Donc on a une salle à côté qu'on a construit, enfin pas construit, qu'on a réaménagé. On avait notre grande salle là, on avait une petite salle à côté. Donc, on s'occupait de tout, faire une salle de resto à côté, c'était compliqué. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis on a eu l'idée, eh bien, on va la mettre à disposition. En fait, n'importe qui, non, parce qu'il faut que ça marche aussi avec nous. Enfin, faut que, Faut qu'il y ait le feeling et c'est nous qui choisissons. Voilà. Un photographe, un peintre peut venir exposer. Il fait une expo. Un artisan, il fait une expo. Ce qu'on voulait aussi, on avait. Ce qu'on fait, c'est que nos producteurs aussi viennent et expliquent aux gens. Donc on leur laisse la salle, on a eu nos marchands de légumes qui sont venus, ils ont fait un petit marché, enfin ils ont installé leurs légumes et tout, et ils ont expliqué comment ils travaillaient, pourquoi ils avaient choisi le bio, voilà. Et pendant toute une journée, ils étaient là. Donc les gens, ils sont là, ils mangent leur salade. Mmh. Avant ou après, ils vont voir et ils voient les gens qui ont fait la salade et comment ils l'ont fait, pourquoi des fois leurs carottes, elles ne sont pas belles, et ils expliquent tout ça. Et l'annexe, c'est pour ça, c'est vraiment, on la met à disposition des artisans, de plein de monde, et pour le lien, pour expliquer, pour montrer comment on fait des légumes, pour... Puis que le légume bio, il a un certain coût, mais pourquoi? Il coûte un petit peu plus cher qu'au supermarché. Voilà, il y a une raison, quoi, Et que là, les carottes, comme tu dis, elles sont pas belles. Les poireaux, ils sont tout fins parce qu'il a fait ses... Et on s'en fiche des légumes pas beaux, ils sont bons. Mais voilà, mais tant qu'ils sont bons, et c'est des légumes binettes parce que c'est Geneviève et Simon de la ferme de la binette. Et voilà, et ils ont une tronche de binette, quoi. Voilà, et c'est ça, et c'est bon, C'est ça qui est chouette. Alors, le mot de la fin, parce qu'il y a eu un reportage où je vous ai vu, vous, à la chaise de la fileuse. Donc c'est l'ancien, c'est les ruines du château de Linchon, c'est ça, hein? C'est bien ça, oui. Et alors, vous aimez les randos? Est-ce que vous en organisez? Ou est-ce que vous indiquez des circuits de rando
aux gens qui ne sont pas forcément du coin et qui ont envie de découvrir la région. Voilà. On a fait un grand parking. Enfin, vous avez vu en arrivant, il y a un grand parking. Et tout de suite qu'on a créé, on a dit on veut un grand parking pour que les gens puissent venir. Ils gardent leur voiture, ils vont faire une rando, ça ne nous dérange pas que la voiture reste là la journée. Ah oui, ça c'est bien. Après, de toute façon, s'ils sont garés là, ils passeront bien boire un petit coup, voilà. Et s'ils viennent avant la rando, on leur explique s'ils ne connaissent pas le coin, parce qu'on a fait quand même pas mal de courses, on a fait pas mal de trail. Oui, d'accord. On connaît le coin un peu plus, on connaît les parcours, on connaît la difficulté. Donc on indique un peu, enfin, on partage ce qu'on connaît sur le coin. Et autant enfin, sur le château de Lachan, on explique un peu les légendes, enfin un peu où c'est, parce que bon, il faut avoir un peu d'imagination dans le château. Donc on explique un peu aux gens. Et puis voilà, après ils repassent là ou ils ne repassent pas. S'ils veulent pas repasser, il n'y a pas de souci. Enfin, ils repassent un autre jour. Ou, voilà. Mais c'est vraiment, il y a le parking à disposition, on indique les balades ou pas, si les gens veulent. Mmh. Bon, voilà, on trouve autre chose. Ils peuvent partager aussi, nous apprendre aussi des choses, parce que nous, ah oui, pas oui. Tout, voilà. Ah ben voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment, encore une fois, de l'échange. Et c'est vrai que cet été, le matin, les gens venaient prendre leur petit-déj, on leur expliquait les balades, ils repassaient, enfin, parce qu'il y a le camping à côté, il y en a pas mal qui dormaient là. Le soir ou le lendemain, je veux dire si, ah ben oui, on a fait ça, c'était bien, on n'a pas trouvé, alors là, on leur expliquait pourquoi ils s'étaient trompés. Voilà, ou alors, ah, on est passé par là, nous, on n'aurait pas eu l'idée de le faire. Et après, on partage ça avec les autres gens. Enfin, voilà, c'est... Oui, les petits jeunes, là, enfin, ils étaient arrivés là tous les trois, hein, les petits jeunes, ils cherchaient un endroit pour poser la tente. Voilà. Christophe leur a expliqué. Ils sont redescendus le lendemain matin pour prendre le petit-déj. Et là, dans le mois d'octobre, un des deux est repassé. Et, ça, voilà, c'est chouette, ça. Il ouais. a dit, moi, je tenais, je refaisais une rando dans le coin. Et pour moi, il fallait repasser au pied de la Vouille parce que vous êtes tellement sympa. Enfin, hein, voilà. Enfin, des étrangers. Enfin, on a déjà eu quoi, deux fois aussi. Enfin, c'est avec les parents de Séverine qui ont eu des gens qui étaient perdus. On les a ramenés jusqu'à Monthermé. Une autre fois, des gens, c'est toi qui les as ramenés. Oui, je les ai ramenés. Parce que les gens ne s'imaginent pas la difficulté. Des fois, ils arrivent, ils laissent leur voiture vers Monthermé, ils arrivent là. Ah oui, il faut qu'on reparte. Enfin, l'heure, c'est tout. On les ramène. Oui, je les ai ramenés. Ils étaient là. Et puis, ils venaient là, en fait, juste pour manger. Ils se sont posés là. Ils sont restés toute l'après-midi. Parce qu'ils se plaisaient. Et puis, au moment de repartir, ils se sont pris une averse, une drache. Ils sont revenus, voilà. Enfin, je leur avais proposé. Une drache, c'est joli ça. Et c'est vrai, je leur avais proposé, je leur ai dit, écoutez, enfin voilà, je peux vous ramener. Enfin, donc je les ai ramenés à Monthermé. Enfin, et après, quand ils étaient retournés sur Reims, le petit mot, le petit SMS gentil en nous remerciant, enfin voilà. Et ouais, la Vouille à l'âme, enfin au pied de la Vouille, c'est parce que justement le chemin qui est en face, enfin, qui monte au château de Lachon, c'est le chemin, il s'appelle, c'est la Vouille à l'âme. Ça s'appelle comme ça, si on regarde le cadastre, ça s'appelle la Vouille à l'âne. Et quand on est en haut sur la Transsemoisienne, il y a le lieu, enfin, il y a les chemins de petite randonnée. Il y a le petit totem avec marqué la Vouille à l'âne avec l'altitude. Donc c'est pour ça qu'on a appelé au pied de la voie. D'accord. Voilà, au pied de la voie. Au pied de la voie. Voilà, l'âne aussi, parce que bon, on a un âne qui viendra bientôt. Enfin, ah, ce quartier. Ça va attirer les enfants, ils aiment bien. Hein. Donc il y a l'âne, il y a la Vouille à l'âne, enfin il y a tout, c'est pour ça que dans notre logo il y a un petit âne. C'est les deux parce que c'est pile c'est la Vouille à l'âne et c'est parce que aussi on va avoir un âne. Voilà. Donc, on a un âne, il va bientôt arriver. Bon, je vous souhaite personnellement, moi, beaucoup de succès. Et chers amis, merci de votre accueil et puis merci. Bonne chance. Merci à vous. Et surtout que ça aille bien, comme on dit par ici. Hein. Merci.